là? Qu'est-ce que je vais faire ici? Ils ont peur. Hein? Ils ont peur. Je vais créer, Sinda. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ils ont peur. Hein? Ils ont peur. Ils ont gagné. Jamais Kabundo a bandeau tombé dans ma voiture et autres. Bandeau toko la paix. Peuple moko émotionné. Qui est jamais Kabundo? Oya Carolite. Oya Tela na Mikaya Jackson dengi moko. Oya Teli Kopakola na Denis Les dengi moko. Bandeau toko la ko. La démocratie. RSD en cible. Déclaration politique. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie a suivi de très près les différentes sorties médiatiques de quelques acteurs politiques non le moindre reconnu dans ce pays. Alors que le pays est aligné dans un bon élan de son décollage par l'organisation des élections libres et démocratiques. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie fustige avec la dernière énergie les propos mensongers et immatures, frisant de l'insulte et de l'immaturité à l'endroit du commandant suprême, président de la République, par des acteurs politiques connus dans l'histoire récente de notre pays. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie informe à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il considère les propos tenus par ces personnalités politiques d'une récréation de courte durée et décrète sa fin à dater de ce jour. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie invite la jeunesse congolaise à n'accorder aucun crédit à ces propos irresponsables de haine provenant de ces ménopausés politiques et invite toute la jeunesse congolaise à n'y accorder aucun intérêt et à se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dit Fatih Béton, afin de barrer la route à ces opportunistes de mauvais goût, car l'heure du renouvellement politique a sonné. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie réaffirme tout son soutien, son accompagnement et son indéfectible loyauté au président de la République, chef de l'État, et promet de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour assurer au chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, sa réélection aux élections de 2023 à travers sa campagne citoyenne dénommée « Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fatih ». Y a-t-il plus jouisseur que Kabundo? Y a-t-il plus jouisseur que Kabundo dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006.
J'ai acheté une parcelle de 2 000 $ à Kimbondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc, si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro un des jouisseurs, c'est Kabound. Donc, si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Vous êtes mal réputé. Hein? Oui, na clash, oui. Que vous voyez bien. Naza clash. L'Obama B, au finger facilement. Non, non. Mais pourquoi les gens... Donc, toi, tu peux m'insulter. Oui, non, mais on peut manipuler l'opinion. On a 7 ans, ma belle. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Je suis parmi les femmes de pointe de ce pays. Oh, Natala, je te dis, droit et vérité. Voilà. Et ça, on n'aime pas. On aime quand les femmes se cachent. Voilà. N'est-ce pas, par exemple, il y a une consoeur. Comme Bamonier, à qui on s'est la biloko, à commis à moi, vie et bongi, Babimi, c'est lié, sex step lobby. Non. Tous, non, il y a un groupe, il y a, bande de la biseau à Katang. Donc, aux hommes, on a que moutakoui mouté mamabe, parce que, vous prenez les choses, vous ne prenez pas les choses à la légère. Papa, moi, n'est-ce pas, Fandi Boy, ce qu'on s'est mis fâché au Siminga, je ne répondrai de rien. Au lobby, na lobby. Parce que les gens disent, après quoi? Non, il faut t'a la yokoma boe. Tu dois faire attention, ils n'ont pas ton niveau. Non, non. Dans le clash, comment j'appelle le game? Le clash, c'est la résistance. Au yena clash, yakana bidon à 5 litres. Oh, t'es, yata 25 litres. So, kokito, mêlé, oso continue clash. Et après, comment on appelle ça, victimise. Ouais, elle a dit ceci. Moi, je suis de nature une fille timide. Mais il ne faut pas me chercher. Mais est-ce que tu ne trouves pas? Je ne refuse pas clash, Nayo. Oui. Mais tu sais qu'en clashant, tu peux dégager des insultes. Oh, bah, toi, tu as reproché. Mais eux aussi m'insultent. Mais est-ce que vous êtes obligé? Soit ils m'ont toi fingé, tu n'es pas obligé. Le clash, c'est ça. Le clash, il faut répondre coup par coup. Le clash, c'est du coup sur coup. Ouais. Le clash, comme je dis souvent, c'est la résistance. Quand vous faites, surtout pour ce pouvoir-ci, je développais. Et non, c'est pour ça que vous me voyez pas sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont clashé, vous avez vu, j'ai dit téléphone, j'ai dans plus de 10 000 groupes. Ça veut dire que quand moi j'ai fait ma communication, elle passe. Mais quand tu m'insultes, tu ne me verras pas. Je ne te répondrai pas, j'ai pas ce temps-là. Par contre, je suis la ligne telle qu'elle est. Voilà. Avec Félix Tshisekedi, c'est Félix qui t'invite? Non. Qui t'engage? Non. Ou c'est un engagement? Non. Qui ne regarde pas la vie à chef de l'État. Nous, on est ce qu'on appelle les communicateurs privés du chef de l'État. Ça veut dire qu'on ne dépend de personne. Vous dépendez de Félix Tshisekedi. De personne. Nous ne dépendons de personne. Même pas de Félix Tshisekedi. Non, nous défendons le président. Voilà. Nous défendons le président avec nos moyens. Nous sommes comme les partenaires de l'Église. Ce sont des personnes jusqu'à ces jours. Parce que Karim Minyala, c'est du coltan. C'est de minerais rares. Que je ne citerai pas ici. Pour la dernière fois qu'on avait cité, il y avait les Nations Unies qui étaient descendues là-bas. Et quand on laisse quelqu'un s'enrichir comme ça, il s'enrichit au Katanga. Ce n'est pas chez lui, déjà. Parce qu'il n'est pas de Kamina. À quoi ça identifie, pardon, depuis le début. Si même Ngaï, na mona katamba, kena baba no ya IDPS, ba komi na kananga, bazo sa la live. Na live, voilà, que si maman n'a papa, ou son oncle, ou qui. Donc, il est de Kananga. Comment quelqu'un qui est de Kananga, de Louisa, se retrouve directement quelqu'un de Kamina? D'abord, c'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. Le mensonge fait partie de sa deuxième nature. Il n'a pas de leçon morale à donner aux gens sur la place publique. Mais Kabound critique la gestion. Papa, tu vois, nous sommes nombreux. Tout le monde attaque le coin où il est,
il est. Il se sent à l'aise. Il se sent à l'aise. Où il a assez d'arguments. Là où j'ai des arguments. Un monsieur dont on a vu qu'il s'est masturbé sur la place publique. Non. Nous l'avons sauvé. Non. Nous, l'armée numérique du président, nous l'avons sauvé. Est-ce que vous avez. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des preuves? Tu sais que je travaillais pour toi pour ce dossier-là. Je t'ai présenté à mon amour, on a raté. Honorez-vous, l'aïe, ça m'a. Je demande officiellement ma rémunération. Nassala Moussala, tu crois que c'est là-bas, toi, sous. Oh, et ça, bah, tu es là-bas, photo. Oui, mais tu es là. Donc, il faut me payer maintenant. Donc, tu comme confirmes ici que c'est Kaboul. Mais c'est lui. Tu confirmes que c'est Kaboul. C'est lui. Les vidéos, il y en a 10. Des Kaboul. Les vidéos, il y en a 10. Des Kaboul. Oui, mais c'est la jouissance. Regardez maintenant ce que je vous dis. Au moins, il y a Zongi Sima. A Zupena Papier, à Pangoussi. La vidéo, elle n'était pas la seule. Il y avait les vidéos, Nabilamba Mbalet. Au moins, la photo, je me souviens. Ils ont plaisir personnel. Ils ont plaisir, ça ne change rien de la République. Non, non, un homme politique. Reste-toi l'essentiel, non. Kaboul vous reproche par rapport à la mégestion. Quelle mégestion? Il a fait partie. Non, lui ne peut pas. Effectivement, donc on est sur ça. Bonemoune m'a filmé en haut. On est en tas. On est en tas sur ça maintenant. Maintenant, ça le rattrape. Ça s'appelle le karma. Ça s'appelle le karma. Et moi, je suis à l'aise là. Moi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On met mes photos en maillot de bain. Moi, c'est mon délire. Et c'est qui est tout à fait normal. Pourquoi, Nabi, pourquoi Bino Sikobo, comme vous me dites, que Kaboul va filmer? Oui. Pourquoi vous avez l'accès à Ngo? Ça n'a rien à voir avec le dossier. Pour que le parquet puisse se saisir du dossier. Ah, dossier à Moutakala Kaboul. Effectivement, ça s'appelle dépravation de mœurs. Ah. Mais papa, il faut dire, il faut reste... parti UDPS, elle, Tshisekedi, aux élections. C'est le président du parti qui porte sa vision. Maintenant, lui va venir faire élire Tshisekedi dans quel sens? Lorsque Tshisekedi bat sa campagne en province, lui-même, Azo Bundanan, Awana Kinga, parce quoi, puis place Hollanda qui est pas au lobby. Il était là. Il y a des gens qui peuvent vraiment rendre campagne. Pas lui. Il n'était pas là. Nakateket Ozomo Nawana. Oui, il n'a pas d'enfant. Dieu lui a prévu la progéniture. Kaboul, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Ça, c'est une information que tu me donnes. Il n'a pas d'enfant. Mais moi, on en a un mobile à Koufara. L'atteinte de propos diffamatoires contre le chef de l'État, je veux voir le magistrat qui va instruire pour son cas. Kaboul. Mais qu'aux gens, moi, on a payé ça. Non. Quand Dieu te refuse la progéniture, mais il est encore là. Peut-être qu'il aura. Peut-être c'est Dieu qui donne les enfants. Lorsque Dieu te refuse la progéniture, ne parle pas des enfants. Je vais en parler. Si, pas les enfants. Il est entré dans les habits du chef de l'État. Moi, je vais entrer juste dans son slip. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà comment ça se passe. S'il vous plaît, pour les enfants, les. C'est le clash. Moi, je connais. C'est la résistance. S'il vous plaît. Il faut lui dire. Je vais vous laisser le temps. Je vous avais promis 8 minutes. S'il vous plaît. Oh non, 8 n'a pas. Moi j'ai fait 8 ans sans enfant et aujourd'hui j'ai des enfants. Mais c'est okay? pas Dieu lui donnera. Mais Yozana Branham, Ozana Yozana Église Moko, Ezaboye. Osali Footing. Osala qui Footing, il y a peut-être compliqué tant au Bali. Yabana Footing Kala. Yabanda Footing Kala. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'avez pas les deux. On m'a dit dans un épisode. Allez-y. Le clash, c'est la résistance. Mais ça va. Voilà. Quand Azokende Kobomisaba va tout kateketa, le cri de ces enfants-là, Dieu a écouté, a entendu ça. Aujourd'hui, il subit ce qu'on appelle le karma. Abomisaba na kateketa. Kaboul a démarché dans le Haut-Katanga. Je gère le Haut-Katanga. Je connais tout ce qui se passe. Azoba marché à Banzela. Banzela bezo mona wana bande kwa Kaboul a cha bangwana. Moi si moko Joyce, c'est elle qui gère tout ce qui est Kaboul. Yé muta gérer ba millions na ba milliards à Kaboul. Et quand je disais ce que le président est mal entouré. Comment on met Kaboul dehors, on laisse une femme qui gère les millions ou les milliards de Kaboul voir le chef de l'État. Oui, on me dira que non, le chef de l'État voulait voir clair. Il y a pas à voir clair. Le gouverneur de province qui connaît les tenants, les aboutissants de tous les carrés miniers n'a qu'à donner tout le truc. Il y a un homme qui a félicité Fifi Masuka. Et un moko. Un soi-disant président Haï se donne le pouvoir de nommer les fédéraux et de créer d'autres fédérations supplémentaires. Vraiment. Applaudissements. Pouvoir dévolu au Congrès.
je leur lance un défi. Que ce monsieur risque de ne pas être même au congrès de l'UDPS parce qu'il se retiendra bientôt. Je lance un défi à ce monsieur-là. Qu'il risque de rater même la tenue du congrès pour demander de l'UDPS parce que le concours de la réconciliation. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi. J'ai étudié à Don Bosco Salam. J'ai étudié à Ushimi. J'ai étudié ici à Kinshasa, à l'Esprit-Com. J'ai étudié à l'extérieur du pays. Je n'ai pas trompé mon CV. C'est ça la différence. Mes parents sont connus. Oui. Je suis Katangé de naissance, d'origine kassaïenne. Et si demain je vois la tête de l'île de presse, un menteur. Parce que vous les combattants, vous laissez l'île de presse évoluer avec un menteur à la tête du parti. Qui ne mérite pas, même pas un seul instant, d'être à la tête de l'île de presse. Même pas un seul instant. Même pas un seul instant, Kaboul ne mérite pas être à la tête de l'île de presse. On attend jusqu'à la mort. Nous ne nous sommes pas battus pendant, nous ne nous sommes pas battus 37 ans. Et quand j'ai dit imposteur, c'est un imposteur. J'ai été au Katanga comme leader. Demandez ce garçon qui m'a rencontré quand. Nous ne pouvons pas laisser l'île de Pesse mourir à cause de l'individu. Si j'ai dit ça aujourd'hui, je suis arrivé aussi au bout. J'ai milité à l'île de Pesse trop jeune. Et je ne peux pas voir celui qui est un parachuté. Allez-y comprendre mon CV de ami de PES. On vous dira de 13 ans jusqu'à 20 ans. De 20 ans jusqu'à 30 ans. De 30 ans jusqu'à 40 ans. De 40 ans jusqu'à maintenant, ce que nous avons été comme parcours. On n'a pas tourné autre campus. On n'a pas donné des dénominations faciles pour faire les quatre chines. Je suis Katangé, je suis ceci. Vous retrouvez là où vous êtes. Et puis vous commencez maintenant à tuer l'île de presse. Aujourd'hui, à cause de cette domination, l'île de presse est divisée dans toutes les fédérations du Nord. À cause de cette décision-là, au-delà de tous les conseils qu'on lui a prodigués, il ne veut pas accepter. Il ne veut pas aider l'île de presse. Nous ne nous laisserons pas faire. Parce que j'ai le véritable sang l'île de presse. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas refusé à résister contre le plus puissant. C'est parce que j'avais la formation qui existe. Et même maintenant, je continue à devoir à mon parti et à ma nation. Vous m'avez invité pour vous dire ma position. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, levez-vous pour sauver le parti. Et je vous dis que l'île de Pins n'est pas à l'éthargie. Yango yo pouvoir ango zo wela nango po 3 ans au sali nango. Soki toke ina permanence na biso ya ide peso wana mama boko kuta toilette za bouché. Wana tozali koloba makambo ya solo me tozali na pou. Biso ba député nyonso ya ide peso. Bakata kabiso mbongo na fin du mois, na source, $500, $500. Tozali 32 députés, et zali kosala, kaka pon la biso ba député, $16,000 chaque mois. Oko ki ko debouché na ngo toilette te. Soki to sali, 3 ans to sali na pouvoir, biso kaka ba député to pensi, contribution na biso, $600,000. Mais si le long, après 3 ans à pouvoir, il dépend ses alliés dans la carte et à membre té. Est-ce que les alliés sont té? Si quand aux alliés qu'on tourne à Olingi, aux zones à Ponsala,
Ba conseiller nyonso ya président ba kotizaka fachi beton ye moko pe a kotizaka pona parti. Mapangu soki totali mapango na changu awa a partir ya ba 50 000, 60 000, 80 000 tokozwa lopango. Pona nini IDPS bato bazali kokamba parti bakoki kosombela ta fédération lopango te. Alors que IDPS biso bato tozala kosala tokotize ba million de dollars. Etienne Tshisekedi mukolo IDPS alobaki naza kosomba siège oyo pour parti nanga ekufa te ndenge parti ya Lumumba ekufaka. Pour parti nanga ekufa te ndenge parti ya Kasavubu ekufaka. Pour parti nanga ekufa te parce que ye a ye na komba oyo akuti biso kabunda zalaka wapi tangu biso to bandi bitumba oyo tangu biso to kangi ba permanence ya ba secrétaire général. Bon, c'est tout à fait normal azamu payana IDPS. Vous comprenez? Erwana, tozo sala komba, ye je crois que azote kande baolo baote ka mafuta mbila, aote ka ba esas. Alors, ye na bitumba o azolo ba wana na kamina. Eza des avenirs. Il faut respecter quand même ba tuloko la ba biso ba fils mukoko na kata capital. To sali bitumba face ya Mobutu. Tangu afde la kotaka. Serwana ba kadogo bazo boma. Biso to ke na stade. To yemba hymne national la Zairoise. Erwana ye kabunda zalaka wapi? Azalaka wapi? Er mavungu asali po a remplacer ye. Ayebi makambo to sala mavungu. Ayebi makambo e sala mapo ya koma secrétaire général. Mais a interroger histoire. Hein? Aluka ayeba ezalaki ndenga nini? Akomi wana ndenga nini? Akomi wana ndenga nini? A part lukuta na ye akansate ke za machine da kosaka ke aza katange. Ezalaki ke biso to bunda to bengani mavungu ndenge to bengana e kala mingi te awo eza po maladi nde stopé biso me ero asa ke nakala ya so to banga bango te baza banani. Oui, merci beaucoup. Ouais, len azoka combattant Jeko azo sala o babengi évaluation le parti va mal. Quand Tshisekedi a accepté de diriger le parti na directoire Vincent Boinkem, Liao Marcel, Kibasa Maliba Frédéric, na Tshisekedi. Tshisekedi andima ango po aboyaki aza dictateur. Babiloko kabuya na kabundu na koliti ne kabuya. Ba memeli biso. Et la kisi ke bazolinga ba déranger âme ya président. L'âme du président tant que o babengi le auteur compositeur y a bah respect des tests et ça beaucoup plus dérangé. Makambo tozo loba, Jeko c'est quelqu'un tobunda nae. Tobunda Jeko e langa thermos na kanise za na fufu et za naissance na kati poto résister Kabila. Le loto komisi ba komisi IDPS li kelemba. Bango balie ba kombata baliate. A part ça tout temps au pembeni. Kabuya na kabund. Kabundi na koliti ne kabuya. Ba interdisa biso koko ta permanence. Bangonde baza bazo monnaie ba poste. Mais lui-même Kabundi fait partie d'Abilé Afati. Mais prenez le Kabundi de 2019, de 3 ans passés, le Kabundi d'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Comment ça? Mais il fait partie d'Abilé Afati. Quand on voit la vie de Kabundi, comme elle est devenue, c'est-à-dire l'Abilé Afati est positif. Parce que Nabi Kendero Kabundi a animé la mauvaise foi, dans la haine. Je peux dire même un aigu, Batobara toujours dans l'esprit de jalousie, ce qui surtout vous allez ensemble et qui Bokabwani. A Koluka, on peut perdre. Comme ça, Bino, il y a ce petit qu'elle a n'engé mon corps. Et ça, il y a le Kabou, il y a ça, la minute. Yo. Tokomi, na 2021, deux ans après, moi, dans mon cas, Kabou, il s'est doté une villa neuve. Une villa de luxe. Tala. Bah, il ne faut pas comprendre le mot. Bon, mon indako, il y a moi, je suis marqué à Kabundi Owana. Bah, ton gars, on a ma vitre à blender. Les vitres blendées, et ça, on a ma vitre à ordinaire. C'est-à-dire, ça n'a pas pu battre que l'ango.
Moi, je suis à Kabound, allant dans la chambre et auto blindé. La porte de sa chambre est auto blindée, même si on met une roquette et côte à thé. Tandis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anna Kola, la ville, n'a qu'à commander comme moi à Moukie, mais comme moi à Moukie, il y a des chambres sans la qui traite à OIA. Et entre les deux, qui est juicier? Oh, comment on a boîte? Ah, la boîte de nuit, n'a qu'à Tchandako. Il est dans le bruit. Il est dans le bruit. Attends, il y a un gouverneur, un gouverneur, un ministre, un mandataire, il a créé une somme déterminée. Des sommes déterminées chaque mois. Ce n'était pas ça qu'on s'en va à garçon et à fille de course. Il y a beaucoup de minéraux. Beaucoup de minéraux à Katanga. Mais quand lui parle de ça, il doit dire, il faut qu'il dise, il faut aller chez les Congolais. Tous les 1 500 000 $ à soir après des semaines où tu as Katanga. Et ça réunit. Proclame élu à la majorité simple, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Argent pour la jouissance. Dieu me renchérit pour dire qu'il pleut. Oui, mais la jouissance. La jouissance. Le pays est à guerre. Je vais répondre. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Rejeter le président. Je ne sais pas. Mais Edmond l'a dit. Dieu, c'est frustré. Moi, je sais que la position qu'il adopte aujourd'hui, je crois que c'est une position qui lui a été dictée par Kachobwe. Parce qu'il a. S'il vous plaît. Tout récemment. Tout récemment. Non, non, mais laissez-moi parler. Je ne t'interrompais pas quand tu parlais. Je l'ai vu tout récemment s'afficher aux côtés de M. Moïse Katumbi. Nous connaissons tous aujourd'hui la position de Katumbi vis-à-vis de Tshisekedi. Et lorsque Franck Diongo revient de Lubumbashi, trop vite il annonce un point de presse. Je n'étais parti au deuil de hier. Je sais, je sais. Qui a fait quelque chose d'important dans la vie de Diongo. Je sais. Avec Baba Kiongo. Je sais, et cela n'a pas empêché à Franck Diongo de rencontrer M. Katumbi. Donc, quand il parle de la jouissance, lui et Kabound, lorsqu'il parle de la jouissance, bon, Kabound, pour ne parler que de lui. Mais cette villa-là que Kabound habite, dans laquelle il habite, ah non, qu'est-ce que tu racontes là, a été construite pendant quelle durée? Ok. Avec quel argent? Lui aussi l'a volé. D'où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est lui. D'où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est qu'il n'est pas fait, mais avec lui, ça a été fait avec lui. Non, moi je n'ai pas dit que le président c'est la coule douce. Moi je sais que le président c'est nous mais il a droit au repos. Comme toi et moi, nous avons droit au repos. Quand on dit que c'est inadmissible que le président soit en vacances maintenant pendant que le pays est attaqué. Attention, attention. À Marbella, on apprend... Attention. C'est comme Las Vegas, dit Franck Diongo. C'est là où il y a le bruit. Le président, d'abord, les déplacements de l'époque, lorsqu'il était allé en Belgique, on nous avait dit que c'était un déplacement privé. Ça veut dire que tous les déplacements du président, surtout pour le privé, on n'est pas, le gouvernement n'est pas obligé de nous dire le contenu. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Peut-être qu'il est allé pour des raisons sanitaires. Est-ce qu'il faut qu'on nous le dise? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu auras ton temps d'antenne, calme-toi. Est-ce qu'il faut qu'on nous le dise? On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de tout nous dire. Bouyala, tu sais, en communication, il a bien dit, les signes ne trompent pas. Comment on peut donner un bilan à Tshisekedi, un deuxième mandat, même si on était avec? Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand Kabou a parlé, on a montré les plafonds du parti présidentiel. J'ai pleuré. Et puis on a pris des partis présidentiels d'autres pays. Centrafrique, on montre les plafonds. Allez voir les sièges de l'IDPS où j'ai dit toujours avec des toilettes bouchées. Alors, je me pose seulement la question de savoir, des gens qui ne savent même pas déboucher les toilettes de leur parti, arranger même les plafonds, mais ils vous font rêver 145 territoires. Heureusement, même si on ne l'aime pas, heureusement qu'il y a un Katumbi aussi. Parce que quand on a mis les images, on a dit qu'il y a quand même quelque chose qui marche dans ce pays. Voilà les sièges du parti de l'ensemble. Oh, c'est ce qu'on avait dit. Moi, j'ai dit, j'ai vu. Qui? Aussi, nous ne sommes pas venus défendre Kabound.
Nous sommes venus défendre la démocratie. Il parle d'un côté de la liberté d'opinion. Mais voilà toutes ces séquences où on est en train de montrer comment la vérité. On a montré les premiers scénarios. Ouverture d'une action disciplinaire. Mmh. Quand les gens rappellent à Mbosso, c'est une affaire interne d'un parti politique. Une institution comme le Parlement ne peut pas s'en mêler. Ah, comprenez-vous, c'est comme ça qu'on gère le pays. Mmh. Maintenant, deuxième chose, il faut aller les menacer chez lui. Mbata. Et la personne qui donne la réquisition, c'est Mbata. Et qui est Mbata? Mbata, c'est l'ennemi éternel de Kabound. Il n'a jamais supporté Kabound quand il estimait que Kabound l'empêchait d'accéder à certaines choses. C'est Mbata qui envoie déjà là-bas pour aller chez Kabound. Mbata commence à envoyer des policiers. Les policiers ont déclaré que la réquisition. Le constitutionnaliste est mon vieux Mbata. Avec qui nous nous sommes battus? Dites seulement à Kabound, même au téléphone, il peut aller déposer ses véhicules. C'est un véhicule. Mais il faut voir, moi je suis passé de ces côtés-là. J'ai vu la vidéo, un camion et pas de... Et pratique, que nous avons désolé au temps de Kabila. Parce que quand Simon a dit que Kabound a fait ceci, donc on a dit que Kabound avait des carrés miniers. Vous l'avez laissé faire. Ça veut dire quoi au Congo? Si tu es avec eux, tu peux tout faire. Tu peux piller, tu peux voler. Ils ne vont rien te faire. C'est le jour où tu dis, viens en posant, et tu as les droits. Okay. C'est la même chose que Kabila. C'est totalement... irresponsable. Oh là là. Je ne suis pas dans les complots. Je donne des informations. Donc c'est normal que M. Kabound soit invité devant la justice. C'est normal qu'on lève ses immunités parlementaires. Merci. Pour qu'il vienne prouver. Parce qu'il a allégué le fait. Qu'il nous dise qui fait ces transactions-là. Qui amène les millions d'argent des contribuables congolais dans des paradis fiscaux. Qui vient nous le dire? Qui vient nous prouver, parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi était un danger public au sommet de l'État, qu'il vient nous le prouver sur ce plateau. Il a dit que les chefs de l'État, c'était un danger public. Mais c'est ce que tout opposant qui veut conquérir le pouvoir peut dire. C'est de charger les présidents pour dire qu'il lui peut faire mieux. De dire que tu sais. Alors si c'est ça, si c'est ça le projet de société. C'est qu'à Kabila ici de tout. Si, non, Kabila c'était de vérité. Mais si c'est ça le projet de société, donc ça ne passe pas. Laissez-moi. Ça ne passe pas dans l'opinion. On a vu les débats en France. Ça ne passe pas. Mélenchon est en train de dire que Macron c'est un danger public qui doit partir. Est-ce qu'on est allé arrêter Mélenchon? Pourquoi vous pensez qu'un opposant parle que le président doit partir? D'ailleurs, vous savez, moi j'ai assisté à un procès. C'est cela, nous avions condamné ça à l'époque, cette infraction-là qu'on devait écarter dans notre code pénal. Outrage au chef de l'État. Et quand, comment il s'appelle? Et voilà, mon vieux est en train de me suivre. On l'a arrêté parce qu'il tenait un meeting. Cours suprême. Je ne sais pas, toi tu étais encore dans une chaîne pro Kabila. Pendant que nous étions dans les combats. C'est comme ça. Même en étant dans une chaîne pro Kabila, je me battais pour la démocratie, monsieur. Pour l'état des droits. Nous étions sous les arbres. Mais on avait affirmé que Kabila c'était un étranger. Non, quand nous étions sous les arbres pour défendre la démocratie. Et Kabound aussi affirmé que celui qui dirige le pays détourne. Il doit être. On l'a arrêté. Convoqué pour ça. Okay, moi, je ne parle pas du Cap. Et on n'a pas dit des choses. Mais la difficulté de ce procès, on a démontré que cette infraction, offense au chef de l'État, était réprimée par la Cour de sécurité de l'État à l'époque de Mobutu. Donc pendant la dictature. Et quand maintenant nous sommes allés vers la démocratie, on a supprimé cette Cour de sécurité. Cette infraction-là, il n'y a aucune juridiction qui peut les réprimer aujourd'hui. Parce qu'on considère que nous sommes en démocratie. Si le président de la République, imaginez qu'il doit arrêter. Tout celui qui l'offense. Mais c'est tout le monde qu'on va arrêter dans le pays. Donc, Kabound a exprimé une opinion pour dire que Tshisekedi, c'était un danger qui ne doit pas être là. Un détourneur, c'est ça? Un détourneur. Non, amenez-nous les arguments. Dites-nous, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, les Congolais ont vu que son pouvoir d'achat s'est amélioré. Les Congolais ont vu que les carburants, les litres n'augmentent pas dans les stations. Les Congolais ont dit, je ne ferai pas les Nicofailles ici. Donc, si Kabound vous dit que ça ne marche pas, Nicofailles le fait tous les jours, vous venez avec des arguments contraires. Dites-nous, depuis que Tshisekedi est là, les choses marchent bien. Depuis que Tshisekedi est là, les gens ont accès à l'eau potable. Notre ami Moïse ne peut même pas venir ici parce qu'il n'a pas accès à l'eau potable. Dites-nous au moins, depuis que Tshisekedi est là, il y a des routes partout qu'on a construites. Dites-nous, depuis que Tshisekedi est là, les pays marchent et tout marche bien. Non, monsieur. Non. Des grèves partout. Des grèves partout. Partout, ça ne marche pas dans ce pays. Tous les indicateurs sont rouges. Il faut vivre sur une autre planète pour ne pas constater qu'aujourd'hui, les pouvoirs d'achat du Congolais s'est détérioré. Alors, quand on déclare qu'il faut que ce président parte, et vous voulez arrêter des gens pour ça, mais vous allez arrêter tout le monde. C'est tous les Congolais dans leur fond intérieur qui regrettent, qui disent que depuis que Tshisekedi est derrière le pouvoir, pas c'est Macky Sall. Après, si vous vivez avec les vrais Congolais, vous les disent.
Non, arrêtez quelqu'un, amenez des arguments. Pourquoi on ne poursuit pas Kabouya? Parce que Kabouya aussi a attaqué Kabound. Mais les propos graves, pourquoi le procureur général de la République n'ouvre pas une enquête contre Kabouya? Donc, parce que Kabouya est au pouvoir, parce que Kabouya ne pouvait pas, autant qu'il était au pouvoir, on ne pouvait pas le poursuivre. Non à une justice instrumentalisée, non à une assemblée nationale caporalisée, qui poursuit, qui livre même son député à la justice. Nous ouvrons une action judiciaire, une action disciplinaire pour Kabound, pour autant le chef de l'État. Tu as vu ça où? Ça, c'est la caporalisation de l'Assemblée nationale. Un député national ne peut pas être arrêté pour avoir exprimé son opinion. Et nous, nous le fait, alors que les parlements doivent être les temples de la démocratie. Nous ne défendons pas Kabound ici, nous défendons la démocratie. Parce que nous constatons que tous les actes qui sont posés aujourd'hui contre Kabound relèvent d'une dérive dictatoriale que nous ne pouvons pas soutenir. Nous l'avons dénoncé hier, quand on a arrêté les gens de l'IDPS par Kabila. Quand les gens s'expriment, on les arrêtait. Aujourd'hui encore, nous n'en voulons pas. Alors ça doit être une rupture avec le passé. Laisser Kabound amener des arguments qui démontrent que lui aussi est voleur et le peuple dans les urnes tranchera. Merci beaucoup. Thank you.